Yes. Ok, ouais. À 3 là. Ah, vous êtes dans la merde! Ah ah! Ben Barek il est là! Les otages, on va passer côté dans la voiture. Fais-moi le malin maintenant! Oh, attention, attention, je vais faire une grande. On fait un tour et par contre, tu vas cette fois-ci, toi, tu vas monter tout seul et tu vas jeter tout ce que tu as. Butez les flics, butez les flics! Tu vas pouvoir remonter, je pense. Ils sont déjà avec la police. 42, 42, il est en vie! 42, il est en vie! Ah ouais, ouais! 42! C'est bon, c'est bon! Ça va ou quoi? 82, j'ai tout vu, j'étais dans l'hélicoptère, ils m'ont pris en otage, ces chiens! Je t'ai fait. Ouais, je me fais fumer comme une crêpe parfaite! Tu sais, j'ai vu 42! J'ai pensé aux 180 000 $ sur ton compte! Je suis un rat. Mais genre vraiment, tu vois. Comme Spider-Man avec l'araignée, mais moi je suis un rat. Ah ouais? Ça me fait un peu peur, putain! Oh là là! Wesh! Salut, salut! Juste pour vous dire qu'on a reset la whitelist du serveur. Ça veut dire qu'en gros, toutes les personnes qui avaient été refusées définitivement la whitelist peuvent retenter leur chance. Et même les nouvelles personnes qui veulent essayer un petit peu ce serveur. N'hésitez pas, le lien du Discord est en description. C'est mardi! À tout de suite! Let's go! Aujourd'hui, nous avons des nouveaux véhicules en location, les amis! Bon, là, je me suis pris pour un super-héros. Ouais, c'est super Richie. Ouais, c'était un délire qu'on a fait avec Flaco à 3h du matin. C'est mort. Bon, en gros, nouveau véhicule en location. Il y a celui-là. Beau gosse. Et la pocket bike. Bon boss, j'ai le kart, ce kart là. Et on propose aussi un vol en gravité zéro. C'est genre en gros, bah vous flottez quoi, en apesanteur, regarde. Youhou ! Bon, on était tous costumés. Hein. Ouais, ça fait bizarre de voir Black Panther, Spider-Man et Iron Man en train de flotter dans un avion. Mais en gros, c'est un simulateur de gravité zéro que je vais proposer pour la modique somme de 6 000 $. Donc là, je vais commencer à faire la pub, on va voir si ça va fonctionner. Le but évidemment, c'est de faire de l'argent. Bien vu, bien vu, bien vu. T'es un bon, tu suis, ça fait plaisir. C'est Yann, pas volard, viens, ouais. Hermano, ouais, peux essayer ouais, la coacher ouais. Ryan Jackson. Ryan Jackson. Est-ce que c'est Ryan Jackson? C'est la zone en personne, c'est moi. C'est Ryan Jackson. C'est la zone en personne. Y'a les pockets aujourd'hui? Ouais, y'a les pockets. Bah, regarde sous vous. Bah, regarde sous. Ouais, Hermano, là, hola, comment est-ce que ça va et toi, beau gosse? Tranquille. Je viens, puis oui. Ça dit quoi? Ça raconte quoi? Ma mère. Bah, là, ça raconte que la coachée est en train de me faire bander. Ah, bah là, oui. C'est 8 100 $ ça là, si je me trompe. Si je m'abuse. Putain, ça y est, toi tu connais tous les prix hein. C'est 2000 aussi la pocket. T'es fou quoi, c'est 4000. Eh ouais, ouais, frère, ouais, tu l'as vendu grec jusqu'à Berlin. Ah ouais? Ouais. Et l'avion 0G, il est où? 0G, il est à l'aéroport, frérot. Truc, je l'ai, on va y aller, les frères, on va y faire de l'invitation. Ah ouais, il a pris là, on va aller chercher de l'argent. Tu connais le prix? C'est combien le prix? Devine. C'est 10 000. Non, moi. $1, $1. $1 symbolique. Ah non, moins que 10. Ah bah 10? $10? Ah non. $8. Non, plus 9 $. Mais non, t'as dit 10 corps. 9,50 $. Non, 6 000. Vas-y. 6 000 ah, ouais. En vrai, je crois que ça va le faire. Hein. Mais en vrai, c'est stylé. Vous allez vraiment rigoler. Hein. Ouais, 8 100 $ la caution. Wow. Wow. Est-ce qu'ils ont acheté la caution? La caution. Bah, par contre, arrête de rêver. Elle coûte 900 000 la caisse. T'es malade ou quoi? Je sais pas conduire. Purée. Ah ouais. Oh les gars, après grosse course, les cartes c'est fini, maintenant c'est les pocket bikes. Voilà, okay. La nouvelle méta, c'est les pocket bikes. Et puis oui. Mais c'est cher quand même le truc pour la lévitation ou je sais pas quoi. T'es fou, tu vas rigoler de fou. Tu fais une petite démo? Ouais. Mais c'est incroyable ce que t'as fait. Bah ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. Imaginez, vous êtes 5-6 en train de vous taper dans un cockpit comme ça. Il s'est passé quoi, Richie? De quoi il s'est passé? Vous marchez jusqu'à là-bas? Il nous a fait une démo. Non, je fais une démo de la 0G. De la 0G à l'aéroport. Un peu vite sur Zoop. Je suis un super héros. Qui conduit, c'est Pasqué. Le truc Spider-Man, c'est pas toi ça? Ben ouais, ça reste entre nous. C'est Spider-Man, il s'est croqué par une araignée, moi c'est un rat qui m'a piqué. Ah, mais du coup, t'as quoi comme super pouvoir? Le truc de gravité zéro, là, c'est ça? Ouais, ouais. C'est Splinter des Tortues Ninja. Ah, mais là tranquille, là, j'ai un ballon d'hélium dans le ventre, c'est un classique ça. Richie, c'est quoi ton plan aujourd'hui? Mon plan, c'est de faire de l'argent. Pourquoi? Je sais pas, tu m'as demandé mon plan. Non, c'est toi, tu m'as dit t'inquiète pas, demain tu vas voir et tout, donc j'ai envie de voir. Oh la balance. Richie ? Ouais. Il y a moyen d'avoir une réduction parce que mon pote, il a fait que de te louer des. Eh, hey, Richie et réduction, ça va pas ensemble, c'est mort. Ah, c'est Richie normal. Tu m'aurais dit trop d'augmentation, je t'aurais dit bismillah. Oh, Richie, t'as trop resté avec Hans. C'est trop ma parole. Non, mais Hans, t'inquiète, ce soir, il est pas là. Full business. Véhicule loué,
un gratuit. Et ouais, c'est vrai, ça. Richie fait des cartes. Ça dépend, ça dépend, ça dépend, ça dépend. Ah oui, il faut une carte de fidélité. Ça dépend combien vous me louez ce soir de pocket, ça dépend. Peut-être je vous ferai une gratuite à moitié prix, on verra. Une gratuite. Non, non, mais c'est pas toi qui décide, wesh. Elle a dit une gratuite, genre en mode ça y est. C'est moi, je dis. Genre le parcours à la cible. Là, t'as cru dans un kebab ou quoi, avec une carte ou quoi? Bien sûr, justement. Mais c'est Richie Deluxe, c'est pas Richie de la Hesse, hein. Richie, y'a moyen, je t'emprunte ta voiture. C'est mort. Je l'essaye. Non, 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 tu me la loues, oui, mais l'emprunter, non. Non, Richie, je l'essaye de là. C'est mort. Cherche pas, arrête c'est de mort. Parler avec ta bouche, si tu pues, voilà, attends, fais gaffe, hein. Il va te facturer plus vite que les EMS. Ah ouais, fais gaffe, hein. Ah Richie, dis-moi, il te sort des factures, t'as même pas. On peut pas tester la voiture en 2-2. Si, mais tu m'as habillé, normal. Non, non, entre nous, frère, attends, mais frère, je te connais ni d'Adam, ni d'Ev, tu prends une voiture à 900K, mais t'es un baiser ou quoi? Non, attends, entre nous, c'est pas ça. Tu veux prendre une voiture? Comme ça, entre nous, t'es qui? Arrête de faire la pince comme ça. T'es qui? C'est Ryan qui a tout payé depuis tout à l'heure, c'est pas toi? Avec mon argent. Non, 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 Ryan Jackson. Non, non, non. Ryan Jackson. Par ça, j'ai envie de te. Non, non, c'est moi qui a payé depuis le début. Ouais, il a découvert ses bras, mais là, c'est bon, ça y est. On est d'accord. Il a découvert ses bras et tout. Tu l'utilises tout le temps maintenant. Si tu pètes la voiture, il fait comment maintenant? Ah ouais, Jack, elle m'a rentré dans la voiture tout à l'heure, j'ai rien dit. Ah ouais, justement, viens, je vais la réparer, je vais te la réparer. Non, 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 il n'y a pas de réparer. Ouvre-la, je vais réparer le moteur. Oui, je vais l'ouvrir, comme ça tu vas partir avec. Oui, je vais passer un billet, c'est bon. Fais-moi confiance. Tu vas la prendre. Je te fais zéro confiance. C'est mort. Genre, tu peux me faire confiance, vraiment, t'inquiète. Je t'ai vu comment tu traitais Hans devant mes yeux, c'est mort. Richie, tiens. Pas de quoi tu parles. Ouais, ouais. Maintenant il s'appelle Hassan d'ailleurs. Ah, il s'est converti? Ça dépend des semaines en vrai. Richie, tiens, billet, vas-y, on fait un petit tour, vas-y. Après, il m'a donné 1$, je suis un roumain, quoi. S'il te plaît, vas-y, s'il te plaît, Richie, t'es pas la peine. Je m'en fous de ton billet, tiens. Hop. Mais tu vois, c'est des billets à 4 chiffres. Non, mais pourquoi tu me le rends? Après, tu m'as donné. Allez, ça y est, moi je parle pas chinois. Waouh, un billet de 100. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît, je te les ai donnés. C'est mort, c'est mort, c'est mort. Tenez votre argent de merde là. Si, s'il te plaît, arrête de faire la pince là. Manque des numéros là, c'est pour ça que écoute, tu comprends pas. Écoute, moi je parle pas chinois, je passe direct la grosse kista. Vas-y, tiens. Waouh, voilà. Waouh, 2. Waouh, voilà. Putain. Ouais, tu penses pas, frérot. Vas-y, vas-y, hable-le comme ça, Marseille, t'as raison. Vas-y, s'il te plaît, Richie, juste 2 secondes, ma parole. Je t'ai dit, genre, tu aimes pas, y'a pas de soucis. C'est incroyable, j'ai failli rentrer. C'est bon, t'as trouvé un nouveau mouvement, toi, maintenant. Oh là. Pardon, c'est la voiture. C'est une meuf violente maintenant, elle veut prendre ma voiture. Oh, Dadé, là, tu m'as frappé, tu vas charbonner toute la nuit. Richie, s'il te plaît. Non, c'est mort. C'est moi, j'ai pré-shot de fou. Tu crois que je suis bête ou quoi? Est-ce que tu crois que je suis bête? Te dégager de la voiture. Je sais que tu voulais faire ça. Putain. Allez, Ryan Jackson, salut. Vas-y, sale pain. Qu'est-ce que tu fais là, Olena? Là, je vais faire un article sur ce qui s'est passé, alors voilà. Y'a une flicka? Bah, y'a une flicka, les braqueurs viennent de partir, effectivement. Ah, ils ont été attrapés? La poursuite est en cours. Oh, j'espère qu'ils vont être chopés. Salut, ça va quoi, petit chien? C'est trop mignon. Comment, quoi? Fabrique. Mais non, c'est un hélicoptère, ça. Mais c'est aussi son nom. Eh, moi aussi, j'ai un buggy, Olena, maintenant que je loue. Il est trop marrant. Jure. Ouais, ouais. Faut que tu montres. Bah, regarde sur Zoop. Ouais. Écoute ce qui se fait, Maverick. Vas-y. Maverick, t'es prêt? Où est le dogs out? Mais il est trop fort. Oh, ils sont là. Si on me demanderait de vous écarter de la course poursuite. Bah, c'est une course illégale, non? Ça, les pockets. Mi. Yo, hop là. Oh là, droit d'honneur à la police. Non, je rigole. You. Hop, what? Normalement, je devais pas tomber. Allô, attendez. Ouais, beau gosse, ça va quoi? Oui, comment ça va et vous? Bah, ça va et toi? T'es où? Je suis au Bénin, je viens de me faire casser la gueule. Oh, j'arrive. Allez, venez. Hans, mon bébé! Mais c'est trop bien! Ah, c'est des pocket bikes, ça va quoi? Ça va et vous? Ça va, tranquille, t'as regardé sur Zoop? Je viens d'arriver. Regarde sur Zoop, regarde tout ce que je propose! Des vols maintenant en apesanteur, gravité zéro, c'est un simulateur. Je te jure, tu veux qu'on teste après? Vas-y, on va tester. Et je l'ai fait à 6 000$, ok? Et tous les nouveaux cartes, buggy et pocket bike, 4 000$, si jamais tu veux faire de la pub. Ouais, Hamid! Ah, ça va quoi, Richie? Ah, désolé, ça va? T'as dit quoi? Ouais, je suis pas du tout occupé, croyez. Eh, j'ai des nouveaux véhicules en location. Bah, ça et tombe j'ai bien. Un je simulateur, te voir. Ouais, un simulateur de gravité zéro. Regarde sur Zoop. Écoute, j'arrive, j'ai besoin d'une location de véhicule. Vas-y, viens, entreprise, viens, Roya, viens. J'arrive, je suis à pied. T'es où? Parking. J'arrive! Ok, je t'attends. Ah ouais, la technique du buisson, un grand classique. Vas-y, Roya, monte avec Hans, ça c'est un nouveau véhicule, regarde la pocket bike. Celle que j'ai là. Richie. Moi je veux un véhicule où dès que quelqu'un le voit, il se retourne. Bah la Ignus en vérité. Hein.
Y'a pas d'autres? Attends, prends le catalogue, regarde, dis-moi. Vas-y. Tu me dis hein, si tu veux tester le truc de gravité et tout, c'est 6 000 $. 6 000 $ par personne? Ouais, ouais, ouais. Mais je te jure, c'est vraiment incroyable, hein. Tu rigoles. Hein. Là, pour le moment, on fait ça dans un avion, dans un grand avion, tu vois. Okay, mais okay. Là, le truc, c'est que je vais carrément installer les machines et toute la soufflerie, etc. Oh, stylé. Dans un hangar de fou, tu vois. D'accord, ah, tiens, on va s'éclater jusqu'au plafond. Ça va être un délire. Vas-y, facture. Je te fais la facture. Boum, c'est payé. Boum. Et voilà. Tu vas faire quoi la soir? Prévenir encore des personnes pour vas-y. La course. Vas-y, ok. Ah oui, avec le véhicule là, ça va bien fonctionner. Attends, je te montre juste le buggy si tu veux. Et j'ai un nouveau carte. J'ai ce carte là, tu vois. Stylé. Mais j'en ai un autre, mais c'est réservé pour la haute, Zama. Les professionnels. C'est combien? Roya, c'est la haute. D'accord. Si je viens en costard cravate, c'est combien? Non, si tu viens avec un bon billet, c'est bon. En vrai, celui-là, j'évite de sortir, c'est plus pour les événements, tu vois. Ouais, ok, d'accord. Mais attends, je te montre le buggy. Mini buggy. Nining. Ouais, il est stylé, celui-là. Mais il arrache, attention. Vraiment, il arrache. Hein. Combien, celui-là? Celui-là, je vais le faire à 6K. Hein. Regarde, teste-le, si tu veux. Ok, du coup, la fille, 6K, faire. Ça, 6K, ouais, et 4K. T'as vu le grillage ou pas? Ouais, j'ai vu. C'est stylé. Vas-y, Andak, attention. Hein. Ça, vraiment, il arrache le bit, tu vois. J'arrive, vite, vas-y. Eh, du coup, ça 6K avec la fusée et la pocket 4K, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, c'est bon. Tu parles comme un Marocain un peu. Alors, ça, bon si, 4K, ça 6K. Alors là, vraiment, j'adore. Ouais, c'est même baston ou quoi aujourd'hui? Oui, il y a eu un petit peu. Fais gaffe. Putain. Je suis à l'affût là. Elle est bien. Vas-y, prends la pocket bike et va faire de la pub avec la pocket bike. Andak, tu te la fais pas voler. Hein. C'est ça le problème. Faudrait que je passe mon PPA moi. Ah, tiens, je vais te donner un truc. Viens. Ça reste entre nous. Hein. Je viens de parler au Vajo. Si jamais quelqu'un te fait chier, d'accord. Attends. D'accord, ok. Deux fusées de détresse. Si jamais. Écoute, hein, si jamais quelqu'un te fait chier, tu balances dans les airs, boum, et je débarque. D'accord. Okay. Comme Batman. Sérieux? Bah ouais. Avec la musique. Ah ouais, c'est ton quartier. Hey, c'est ton quartier, désolé. C'est mes clients. Vas-y, désolé. Ouais. Qui c'est qui veut une pocket bike? Ouais. Oh, je suis désolé, ça va ou quoi? Oh merde. Quoi, il souffre, hein? Attends, viens, je te passe un bandage. Tiens, tiens. En fait, lui, il aime pas trop les bandages, il préfère les bijoux magiques, lui. Mais quoi? Bisous magiques. Ah ouais, les bisous magiques, ça fout quoi là? Ça zone comme si c'est jeune. Ah, vous habitez ici, vous? Ouais. Mais attends, mais c'est le quartier ukrainien là, non? Ah bon? Bah, je sais pas, c'est Olena qui m'a dit ça. Bon. En fait, Olena, elle habite juste au-dessus là-bas. Ah, mais c'est la journaliste, elle, non? Ouais, c'est ça, ouais. Ah, mais je l'ai jamais vu. Ah, ouais, mais elle est toujours en déplacement. Ah, j'ai jamais vu ici, je veux dire. C'est quoi? Ça a un billet, ça a de la thune là pour investir dans une pocket bike ou quoi? C'est combien la pocket? C'est 4 000 $ de l'heure, mon pote. Wow. Ouais. Mais avec ça, tu peux soulever même des meufs. Pas que la pocket, hein. Faites quoi dans la vie, les gars? On fait quoi dans la vie? Je suis le responsable du Burger Shot. C'est bon, t'as de l'argent, toi. J'avais de l'argent. Ça va, t'as de l'argent. Pourquoi? T'as fait quoi avec ton argent? J'ai oublié de payer mon appart. Aïe, aïe. Ça va quoi ce soir, du coup, les gars? Je sais pas, apparemment, il y a une soirée au Blackwood. Ah ouais? Ah oui, Mais c'est à 22h, c'est ouvert, là. C'est déjà ouvert, là. Ah ouais, merde. Bon, c'est pour les artistes. On est pour nous, bah, non, on les artistes. On n'est pas des artistes, nous. Regarde. On est des mecs de la rue, nous. Ouais, mais moi, j'ai un des talents de danseur, moi. Vas-y. Bam. Ah ouais. Ah ouais, là pour me choquer, tu m'as choqué, frérot. Je suis Ricky Minaj. Ricky Minaj? Pas sûr que vous ayez les mêmes qualités, hein. Mais tranquille. Ok. C'est bien le Burger Shot, hein, ça va, vous mettez bien en vrai. Hein. Ouais, ça va. Il y a une bonne ambiance, hein. Bon projet, belle vie. Bah vas-y, les gars, force. Vas-y, force à toi, mec. Alors, Ron, ça se passe comment? Je fais de la pub aux policiers, là, et ça peut leur intéresser. Je tombe que sur des clochards, là. Que des mecs qui ont pas de thunes. Ah, c'est bon, j'ai vu une voiture, là. Elle est dans mon collimateur. Je ne vais pas la louper. Guadeloupe. Ouais, les beaux gosses. Ça va quoi? Oula, ça va donner le kilo. Tranquille. Si on l'a bien, je jure. Mais non, ah ouais, des pocket bikes, les mecs, je vous propose ça. Ah ouais, lui, mais frère, t'es déjà monté, tu m'as dit tout peut tester, wesh. Incroyable. Attends, mais dingue, mais toi, t'as tout en pocket, la dernière fois, c'était des coachés, man. J'ai tout. T'as dit quoi? Ouais, écoute, ça va. Mais il m'a même pas demandé, il est parti avec. Banal. Ouais, banal. Elle va vite ou pas? Elle est bien? Ouais. Elle va vite, mais elle cabre pas, c'est nul. Mais si, frère, elle cabre, t'es fou, quoi. Ah non.
Mais bien sûr que si. T'es prêt ou pas? Bang 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 bang. Juste tu sais pas gérer, c'est tout. Bien sûr ça cabre. Ouais, j'avoue, je sais pas gérer, je suis une grosse. Ouais, alors c'est combien? C'est combien? Ouais, ça, c'est 4000 les gars de l'heure. Ouais. 4000. C'est combien le Dirt Apollo là de l'heure, s'il vous plaît? Ouais, c'est 4000$. 4000$ l'heure? Ouais, c'est genre ça. Juste ouais. Pour 5 minutes. Non, frérot, pas 5 minutes. Tu la prends pour l'heure. Ouais, 5 minutes, tu crois que c'est quoi? Un kebab, tu as mangé ou quoi? Mais bon, après, regarde, c'est Réti de Luxe, c'est pas Réti de la Hesse, hein. Ouais, je sais, mais vas-y, Kamastrabank, ils foutent les gens dans la merde, mec. Quoi? C'est quoi le délire de Kamastrabank? Ouais, ouais, t'inquiète, ils disent quand tu vas faire un prêt, après, ils en font pas au final. Ah! Ok. Ouais. Bah frérot, ouais, moi c'est 4K, tu vois, donc après je peux pas trop baisser, tu vois, c'est des trucs oh, que je viens de faire. Putain, y'a un mec qui vient de passer devant moi avec. Ouais, c'est Hans, il fait de la pub. Putain, incroyable. Ouais. Vas-y, bah, pas de soucis alors. Vas-y, frérot. Plus tard, alors. Vas-y, ça marche, bonne soirée. Bon, ça dit quoi là? Ouais, je demande à mon réfé là, parce que moi je suis grave fou, j'adore les mini trucs. Vas-y, tu me dis. De toute façon, t'as mon numéro ou pas? C'est 6x0. 6x0? Ouais, ouais. Wesh, beau gosse. Ouais. Ça va ou quoi? Ouais, tranquille, et toi, man? Ça dit quoi? Putain, je viens tout juste d'appeler pour la louer. Et tu m'as dit quoi? Tu m'as dit kebab, je sais pas quoi. Ah ouais, c'est toi qui m'as appelé là? Ouais. Allez, 4000$, fais un effort, t'as combien sur ton compte là? Bah vas-y, tiens, amuse-toi avec. J'ai 500$. Ah vas-y, fais un aller-retour, hein, juste test, hein. Ouais, t'inquiète, tu peux me faire compte. Eh, je fais jamais ça d'habitude, hein, je suis un putain de rat. Ah, t'es un bon. Vas-y. Putain, mais elle est vénère de ouf, mec. T'as vu? Est-ce qu'il y a? Incroyable. Tu veux quelque chose? Non, t'es fou quoi. Non, vas-y, pas de galère. Vas-y force. Ouais, allô? Il y en a beaucoup qui m'ont demandé. Allô, Ritchie, ici c'est H58. Ça va quoi, Bogos? Ça va et toi? Ouais, on est là, on est posé, on fait de l'argent aux ailes. Bah alors, on vient de voir un truc, Hans, il nous a sorti un pocket. C'est ça, pocket bike, ouais. Ok, t'en as 3 ou pas? Ouais, j'en ai 3. Ok, bon bah, on va passer alors, merci. Allez, beaucoup. À tout de suite. Maintenant là? Bah, pas maintenant, vu qu'on est en patrouille, mais après, juste après. Vas-y, bah, tu me tiens au courant. De toute façon, je t'envoie un message, ouais. Okay. Vas-y, Bogos, Ritchie. À tout à l'heure. Ouais, merci. Ouais, les Bogos, ça va quoi maintenant? Bah, je lui ai demandé, du coup. Ah bah voilà, bah, je voilà, 58. Ah, mais c'est celle-là, la pocket? Ouais, c'est celle-là, ouais. Eh les gars, vous êtes au courant pour le simulateur de gravité zéro ou pas? Non. Ah, ça c'est une expérience de fou. Alors, regardez sur Zoop, j'ai mis. Ouais. En gros, vous voulez en apesanteur pendant quelques secondes et tout, c'est un simulateur. Là, je le fais dans un avion, mais plus tard, peut-être que je vais louer un hangar spécial et tout, on va faire des dingueries. Toi, t'es louche, toi. Comme ça, je suis louche, c'est le business. Toi, tu travailles trop dans les bails bizarres. Bah, mais frérot, je suis un rat, moi, c'est le business avant tout. J'ai jamais vu. Eh ouais, c'est jamais c'est, franchement, c'est... On essaye d'innover. Je pense qu'il doit être jaloux. Qui ça? Elon Musk? Musk, ouais. Mais frérot, c'est moi qui l'ai tout appris, t'es sérieux, là? Ah, l'avion, là, what the fuck? Eh ouais, vous montez à l'arrière, comme ça. Oh. Boum! En apesanteur. Tu vois, on y va? Wesh, ouais, les gris. Si on a rien à faire, ouais, on ira. Vas-y, pas de Nemo Go, les gosses. Dans la soirée, ouais. Vas-y, les gars. T'as quoi, les boys? Tranquille, toi. T'as dit quoi? Viens. Ah ouais, contrôle et tout. Bah ouais, vous êtes masqués et tout, les mecs. Un contrôle? Eh, bougez pas, ça va bien se passer. Excusez-moi, monsieur, la voiture, ouais. elle est à vous? Ah ouais, c'est la mienne. Ah, parce que votre plaque, elle revient pas dans nos fichiers, là. Ah. Ok, du coup. Aïe. Du coup, ça fait qu'on a une plaque qui nous ramène à aucun véhicule, on peut pas tracer votre véhicule. Vous passez en préfecture, monsieur. Ok, super. Merci beaucoup, monsieur les agents. Et comme... Wesh, il a dit super, moi je l'aurais arrêté, hein. Bah, oui, franchement. T'es là. Oh, le délit de fuite. Oh le bâtard! Arrête de nous engraver! Oh le chien de la casse! Arrête. Oh comment j'aurais pas aimé! Ah genre, ah ouais, je vous fume avec la pocket! Non mais excusez-moi, j'étais pas bien. Ah putain! Mais ça tombe vachement mal, monsieur, on était vraiment pas trop devant vous. Ah excusez-moi. Aïe. Si vous arrivez là, vous avez fait un malaise, monsieur? Non mais. Non mais c'est les néons dégueulasses, je pense, c'est ça le truc. Wesh les boys! Vas-y, monte à la voiture. Wesh! Sérieux? Monte à la voiture derrière, s'il te plaît. Wesh, pourquoi vous me braquez? On va s'occuper de la banque. De communication quoi? Et tout ce que t'as sur toi. Oh non, vous allez faire une flic, hein? Ah ouais, tout à fait. Dis-moi que t'as pas le temps, je te relâche. Bah si, j'ai le temps. Ah, ok, bah voilà. Yes. Ok. Ouais. À 3 là. Ah, vous êtes dans la merde! Haha, Ben Barek il est là! Les otages, on va les mettre dans la voiture. On va les mettre. Fais-moi le malin maintenant, hein! Oh, attention, tu sors le bus! Oh là là, ça sent la merde! Coffre dans le coffre. Le coffre qui prend en otage des individus, il y a déjà plusieurs otages à l'intérieur. Il est tout seul. Oh, eh, vous êtes tombé sur Ben Barek, vous êtes dans la merde! Vous êtes dans la merde! C'est mon agent, c'est moi, bébé! Gauche sur une flicale, hein! Aidez-nous! Tu peux rajouter un petit peu de drama? Je pense qu'il est bien rajouté là. Et hop, on rentre dans l'Africa, allez hop, on rentre. Putain, casse les couilles.
Journée de merde, fallait pas que je me réveille. C'est soirée de merde là pour nous là. Bonsoir Delchi. Oh quoi ça va? Oui, ça va pas. Okay. Yo les boys, comment ça va? Qui m'occupe des otages? Ça va pas, ça va pas, ça va pas. Comment tu sais bien? Est-ce que quelqu'un sait faire un tutoriel comment ouvrir un coffre de banque, s'il vous plaît? Tu peux baisser les mains, Sarah. T'es fou ou quoi? Attends, je voulais savoir. Tu peux baisser les mains, t'inquiète. Qui? Ok, monsieur, c'est qui? Moi? C'est monsieur Len. Pas, et madame? Sarah. Bon, allez parler avec les cops, là. Prenez soin de nos invités. Moi, c'est moi qui m'occupe des otages. Et je reviens. Attends, tiens, j'ai des cadeaux pour eux. T'as passé ces petits joints. Merci. Tu fais de la pub pas, en plus. Mais même pas des joints. Tu crois que je suis un mec qui donne des joints, moi? Oui, pour ces oui, oui, clairement. T'as une de tête rien. De mec qui donne des joints. Il donne clairement des joints. Attends, 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 attends. Écarte-toi. Vas-y. Tiens, tu vas voir si c'est des joints. Oh, t'es un bon. Regarde le petit message. Fais voir. T'as vu, c'est des joints, ça? T'es homosexuel? Bon, c'est quoi ce mot? Je connais pas. Bah, est-ce que t'es homosexuel? Je connais pas ce mot, je suis un con. Donne une prime d'otage là. Bah, est-ce que t'aimes les hommes? Une prime d'otage. Non, j'aime pas les hommes. Oh, mais... merci. Pourquoi tu vas prendre l'otage alors? Moi j'aime personne, je suis un gangster. Merci, merci, c'est gentil. T'es un gangster toi? D'otage, voilà. Je suis un gangster. T'es un bon homme. Ah, vous êtes des bons les mecs. Tenez, alors. Excusez-moi. Excusez-moi. Attendez, je vais regarder. Pareil, j'ai des trucs à distribuer. Alors. Attendez. Attends, c'est carmé, qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que je peux vous donner au niveau des francs? Allez, voilà. Putain, voilà. Les joints, c'est moi qui les avais. Madame, tu veux mon t-shirt ou pas? Fallait quand même que tu me passes un joint. Non, merci. Monsieur, vous voulez mon t-shirt ou pas? Non, c'est gentil. Non, franchement, ça va, il fait bon là. Tiens, vous êtes des méchants. Ah, mais c'est la meilleure. Vous êtes des méchants, monsieur. On est des gentils, on est trop gentils. Tu te fous de ma gueule? Comment on t'a fait du mal? Tu m'as braqué, c'est une violence psychologique. Viens à toi. M'appelle Richie, frérot. T'as un chapeau de paille. T'as un chapeau de paille. C'est pas un chapeau de paille, mais c'est un bob. C'est un chapeau de paille. C'est pas clairement pas un chapeau de paille. Je t'ai dit, c'est un chapeau de paille. D'accord, dans la toute maison de la prairie, ils ont des bobs alors. Ouais, ils ont des bobs. Ah ouais, lourd. Putain, l'embouteillage. C'est mauvais pour vous, ça, l'embouteillage. Après l'heure de pointe, tu connais. D'ailleurs, je passerai te louer un truc après la pioui. Va te faire foutre. Ok. C'est un ouf, lui. Il me braque après, il veut louer un truc chez moi. Excuse-moi le montage. Bah ouais, putain, casse les couilles. Hein? Bah non, ça va pas. Enfin, niveau santé. Oui, ça... 42, mais il est nickelé, oui, j'ai 42 tirs. Wow! Putain, il a raté la tête, il a raté la tête, hein. 42. Oh, j'ai fait un coup de balle. Ah, putain, mais non! Assis, assis, écoute-moi bien, c'est ta mère. Bah, c'est bien, Reggie. Mais attendez, je vais pas parler. C'est quoi ton nom de famille? Ah non, il m'a pas parlé, j'avoue. Si, si, t'as parlé. Non, t'as dit si ça allait, tu as dit oui. Non, vas-y, va parler. Il t'a demandé si tu demandais de la drogue, t'as dit oui, etc. Mais tu veux savoir c'est quoi se faire avoir son propre jeu? Mm-hmm. Pour combien je te libère? Oh le bâtard, c'est bon, laisse-moi ici. Ça avance la personne ou pas? Revenez derrière. Ah ouais, ça se met bien. Derrière. Ça se met bien. Le bricoleur et tout. Ça va, tranquille. Faut pas voir les coulisses. Faut pas voir les coulisses. Les coulisses quoi? Ça va carrément. De backstage. Il passe quoi? Les coulisses mecs, du spectacle. Il y a un mec qui a un P7 et un mec qui a une clé anglaise. Ouais, j'avoue qu'on est pas super équipé, mais. Moi, lui, moi je suis sûr, je vous prends. Tous les deux, je vous prends. Non, c'est rigole, je regarde, ouais, je tranquille. Wesh. Bah, pas du tout, pourquoi? C'est bon. Non, c'est parce que t'es tendu. Je sais que t'es un broker. Bien sûr qu'il y a belle merguez. Ah, ça, c'est un peu. Je t'ai grillé. Oh merde, tu m'as grillé. Oh merde. Je vais te retrouver. Force à toi. Pourquoi force à moi? Si tu veux, je peux même te donner mon surnom. C'est quoi? Denzel. Denzel? Ah, j'ai grave envie de vous goumer. Pourquoi? Mais pourquoi on est gentil? On vous a donné des choses et tout, même des prix. J'ai grave envie que vous repartiez allongé. Hein? Moi j'ai grave couché. Envie. Que... Non, comment ça couché? Ah, tu, par tu... terre, au sol. Eh, va là-bas s'il te plaît. Va là-bas. C'est moi je veux le coucher. Parce que là, je veux bien, mais faut arrêter. Hop là! Repose-moi direct. Technique ancestrale, mon pote. Et tu peux venir m'aider. Alors, c'est qui il faut maintenant? C'est qui il faut? Non, je rigole. C'est bon, je rigole. Dans l'idée, c'était pas mal, mais ils sont 12. En vrai, y'a moins que le choper. Y'en a un qui le mord le mollet, l'autre qui le tire l'oreille, et le troisième, il le prend. Tiens, oh, c'est bon, on fait rien, tranquille, on fait rien. Ok. T'as passé un billet, c'est bon. Ah, mais t'as fait. Je t'ai donné plus que les autres. Bah, normal. Bon, moi j'ai l'ordre de protéger madame. Ok. T'es un fou, toi aussi? Ok, faut que je prenne le plus moche des otages. C'est moi! Ah, bah, okay, clairement, c'est lui. Ouais, c'est... Mais c'est pas plus riche. Très esthétique. Ah ouais, t'as combien sur ton compte en banque? 260 000. Bah, tu vas tout me donner. Eh non, c'est mort.
Ah putain, un bâtard. Tu te rends compte que t'as 260 fois plus d'argent que moi? 1000? 260 fois non, t'es un menteur, toi tu mets tout sous le matelas de ta mère. Ah, ça l'aurait-tu? Non, ah, j'ai... ça va quoi, Wang? J'ai 300 dollars. C'est... Bah, moi aussi je travaille, je suis otage là. Ils m'ont payé 200 dollars, ça va en vérité. Payer 200 dollars? Ouais, sinon je les soulève. Mais tu pouvais demander 2000, t'es sérieux? Bah, ils ont pas de thunes, c'est ce que je te dis, c'est pour ça qu'ils braquent. C'est bon, j'ai 400 dollars. Eh, c'est le braquage le plus rentable. Attends. Eh, hey, il m'a passé 200 dollars, hein. Je dis ça, je dis rien. Wouah! 400! Il m'a passé 400! 100! Eh ouais! Ça, oh là! Oula! Waouh! Oh, putain de merde! Oh bah, parfait! Voilà, il m'a passé 500, je dis ça, je dis rien. Pas pour. Essaye de négocier une promotion, moi, à chaque fois, ils ont fait des flics, on m'a promu, t'as ouais du cleaning. Ouais, ouais. Là, t'es passé quoi? Otage confirmé? Oh! 600! Non, je travaille au cleaning. Ça y est. Là, c'est vraiment le braquage le plus rentable de. 700! Wesh! Bah, attends, mais là, t'es en train de jouer avec mes couilles! Bah, ouais, mais c'est. Wesh! 1000! Oh là là! Bon, ça y est, game over. C'est quoi cette anarchie là? Ah bah là, clairement. 1100! Oh, il t'a baisé. 1100! Personne a un truc à bouffer là, je vais claquer. Si, si, moi je fais des menus à 40$ si tu veux. On va assez donner d'argent pour que tu le donnes gratuit. Ah frérot, business is business. Ouais, bah je comprends, vas-y, je peux y aller. Ah, je peux partir? Ouais, vas-y, Richie. Vas-y, garde force! J'ai une question là. Rappe là dedans, j'arrive, ok? Ça va, 4005 hein? Quoi? 4005 en tant qu'otage. Je suis bien. Non mais là t'atteins le ras suprême là. Ah bon, frérot là, le ratio il est plus que positif là. On te dépose après, je finis la négociation. Vas-y tranquille, je vais y aller maintenant, ok. Je bouge pas, vas-y. Allez go. Ok Richie, ça va? Bah tranquille et toi? Ok ouais ça va moi aussi. 4005 frérot, je suis bien en vrai. Récupérer? Ah, grimper. Allez montez, go. Eh, vous êtes fait combien Sarah et Bobby? Rien du tout. 4500$. Bah on a peu les mêmes valeurs, j'ai eu 17$. Ah ouais. J'ai rien eu du tout. Ah ouais, mais les gars, faut savoir négocier avec les otages, les gars. Non. Enfin, avec les preneurs d'otages. Bah non, ils avaient des armes, je vais pas négocier avec eux. En fait, je t'explique. C'est un deal en fait à chaque fois avec, ouais, avec Richie. Ah. Tu le prends en otage, mais lui il prend en otage ton portefeuille. C'est ça en fait. Là, il est riche, hein. C'est... Bah, ah. Bah là, j'ai 270 000$ sur mon compte. Quoi? Bah, pas les mêmes valeurs, hein. Bah, normalement, ce soir, je vais faire 50k minimum. T'as besoin de quelque chose, tu m'appelles hein? Bah toi aussi je te dis, simulateur là, si tu me dis on se fait ça. Ça coûte combien? C'est 6k par personne, c'est pas ouf. Aïe. Ça va frère, t'as de l'argent, t'as au moins 100k. Moins. Ah ouais? Combien? 95? J'ai, attends, je te dis, je suis à 90. Ça va. Vas-y mon gosse. Ça va, mais j'ai envie de m'acheter une voiture hein. Bon vas-y, je te laisse. Vas-y. On te sait où ce con? Il se fait soulever, c'est sûr. Ouais Dante, ça va quoi? Ouais, tranquille. Eh, dis-moi, t'aurais pas vu Hans? Il répond pas, il coupe à chaque fois son téléphone, je crois qu'il se fait soulever. La dernière fois que je l'ai vu, c'était au Beniz. Après, je t'avoue, j'ai pas plus de nouvelles. T'as pas vu s'il parlait à quelqu'un ou pas? Il parlait avec Olena, je crois, la Chica, avec. Avec Hamid. Ils sont partis à Paletto, ouais, ils sont partis à Paletto. Ok, ça marche, bah je vais appeler Hamid directement. Il est peut-être prendre l'otage pour une flicka ou une connerie. Non, c'était moi l'otage en flicka, je viens de sortir là. Ah, ok, bah vas-y, je te laisse. Vas-y, bon gosse. Ça va et vous? Oui, oh, Hamid, ça va ou quoi? Ça va et vous? Et toi? Ouais, tranquille. Eh, dis-moi, t'aurais pas vu Hans? Non, pas du tout. Il répond pas, je sais pas où est-ce qu'il est. Là, écoute, là, je suis actuellement au nord, il y a une soirée. Panda, peut-être? Ah, je sais, c'est sûr. Vu qu'il y a Daniela dans les parages, Ryan Jackson. C'est sûr et certain, ils l'ont soulevé. Allô? Ryan Jackson, ça va quoi? Ça va, et toi? Ouais. Dis-moi, t'aurais pas vu Rance? Non, désolé, j'ai pas vu. Il répond pas, ouais, allô, ni radio, ni quoi que ce soit, il raccroche. Franchement, j'ai pas vu. Dis où là? C'est qui ça? La carte Joker, regarde. De quoi? C'est la carte Joker. Ah mais je sais pas c'est qui ou là. Non mais genre juste dites-moi s'il est avec vous ou pas. Au moins j'ai envie de le chercher. Non il est pas avec nous. Ok ça marche, vas-y. Vas-y parfait. Allô? Ouais Roya, Hans il a disparu. Comment ça Hans il a disparu? Plus de nouvelles, je l'appelle au téléphone, il coupe directement son téléphone et radio il répond plus. C'est clairement pas dans ses habitudes. Moi je l'ai vu, il faisait de la pub en pocket. Et la dernière fois que quelqu'un l'a vu c'était Dante, c'était au Beniz. Et depuis plus de nouvelles. Ça fait combien de temps? Ça fait une bonne demi-heure là, depuis que je suis en otage quoi. C'est qui lui veut du mal un peu? Bah je pense Daniela, hein. J'ai appelé Ryan Jackson, Daniela, le mec qui traîne avec elle. Mais j'ai pas le numéro de Daniela tu vois. Et apparemment genre il m'a dit non, mais après je sais pas, je l'ai senti un peu bizarre tu vois. Genre il est avec vous, il m'a dit non. Genre je sais pas tu vois, c'était un peu bizarre. J'ai un pressentiment. Ok ça marche, je vais voir ce que je peux faire de mon côté. Vas-y. Et je te tiens au courant. Vas-y, si t'as des infos tu m'appelles, ok? Ouais ça marche, vas-y merci. Vas-y. Si? Ouais Alba ça va quoi? Ça va et toi Litchi? Ouais tranquille, eh dis-moi t'aurais pas vu Hans s'il te plaît? Hans, non, j'ai aucune nouvelle. Ok, tu l'as pas vu aujourd'hui? Non, ça fait 2-3 jours que je l'ai plus vu. Ah, okay. Je sais pas si... Message de bonsoir. Oui, bonsoir, ça va, vous allez bien? Oui, et vous? Oui, ça va. En fait, là, j'ai un souci, je retrouve plus mon pote Hans Werner. Je sais Hans pas où est-ce Werner. Qu'il est. Est-ce que vous l'aurez pas accueilli dans l'une de vos chambres ou quoi, pour une quelconque raison? Alors, on n'a pas de Hans Werner. Okay, par contre, on a un monsieur qui est amnésique. Qui est amnésique?
Oui, c'est Richie. Comment ça? Attends, ouais, comment ça, Amnésique? Un monsieur qui aurait fait naufrage, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Je peux venir le voir? Oui. Ok, il est à l'hôpital? Oui, oui, il est à l'hôpital du Sud. Bon, bah j'arrive alors. Ça marche. D'accord, merci à tous. Trop bien cette petite moto. Ouais, ça va quoi? Petite minuscule moto. Ouais, je peux essayer ta moto, Richie? Bah louer, oui, essayez, non, parce que là en plus je dois aller à l'hôpital. Non, vous avez pas vu Hans, les gars? C'est juste devant, non, non, je crois qu'il s'est fait baffer par 2-3 vagos, d'après ce que j'ai entendu. Sérieux? Ouais, ouais. Et putain, mais attends, mais j'appelle là. T'es sûr? Bah, je sais pas s'il s'est fait baffer, la dernière fois j'ai entendu parler de lui, j'étais avec. Non, mais genre ce soir, est-ce que tu l'as vu? Non, je l'ai pas vu ce soir, mais j'ai entendu dire j'étais avec les vagos. Hier, non, moi ce que je l'ai vu, en fait ça fait une demi-heure, j'ai plus de nouvelles de lui, c'est pour ça. Ah ouais, bah c'est moi, c'est à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure, on m'a dit qu'il était avec les vagos. Putain, les fils de pute, je les appelle, ils se foutent de ma gueule ou quoi? Ok, merci. Je sais pas. Si? Ouais, Alba, on m'a dit que ce qui paraît, c'est les vagos qui l'ont baffé, ou vous étiez avec lui ou quoi? Bah, je suis avec les vagos, on n'a pas Hans, hein. Les gens, ils se foutent de ma gueule ou? Oui, les gens se foutent de ta gueule, clairement. Ok. Bon, bah, vas-y alors, merci. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Ah, vous allez bien? Eh, ouais, j'ai appelé l'hôpital par rapport à mon pote Hans Werner qui donne plus de nouvelles de vie, ouais. En effet, oui. Je vais vous laisser sur monsieur là, je vais vous emmener voir la personne merci. Qu'on a. C'est gentil, monsieur. Merci. T'avais une idée depuis quand il a disparu? Ouais, ça fait environ une demi-heure. On m'a dit qu'ils l'ont vu avec des vagos. J'appelle les vagos, ils me disent qu'ils l'ont pas vu. Il a disparu. Il répond plus au. En fait, il raccroche au téléphone, c'est même pas, il répond pas. Il raccroche et radio, il donne plus signe de vie. Du coup, je suis un peu inquiet. C'est quoi, Cass? Je l'ai eu au téléphone il y a à peu près une heure et demie. Ouais, je sais. Ben moi, ça fait une demi-heure. D'accord. Parce qu'on vient d'admettre quelqu'un, en fait, qu'on a retrouvé échoué sur la plage. Donc, vous allez me dire si vous le reconnaissez ou quoi. Parce qu'il a pas, enfin, il a pas d'affaires sur lui, il se souvient pas. Donc. Ok, ça marche. Je veux dire ça. Venez, monsieur. Non. Rebonjour, monsieur. Vous êtes éveillé? Il y a quelqu'un qui cherche un de ses amis perdus et vous seriez peut-être cette personne, donc on vous l'a amené pour voir si vous reconnaît. Non, pas du tout, c'est pas cette personne-là. C'est bien ce que je me disais. Ah non. Ok. Bah bon courage, monsieur. Non, c'est vous aussi, hein. Bon, merci en tout cas, je suis désolé pour la gêne. Il n'y a pas de souci, monsieur. Non, c'est pas lui. C'est pas lui? Non, c'est pas lui. Bah merci en tout cas. Bonne soirée. Merci également. Ouais, Richie. Hamid, alerte rouge. Hans, il a disparu. Regarde, Hans, plus de nouvelles. Il a disparu. Dernière nouvelle, il était avec les vagos. J'appelle les vagos, ils me disent non. Ils l'ont pas. Je vais à l'hôpital. J'appelle l'hôpital. Ils me disent, ouais, il y a un mec qu'on a retrouvé échoué sur la plage. Et aucune identité, rien. Il a perdu la mémoire. Venez voir si c'est lui. J'arrive. Pas du tout, Hans. Pas de nouvelles, frère. Téléphone, il raccroche, c'est même pas, il répond pas, il raccroche, et radio, il a dû la couper. Et frérot, j'ai aucune nouvelle où est-ce qu'il est. Bah écoute, avec Olena, on va essayer de le chercher. Vas-y, c'est gentil, ouais. Essayez de voir du côté des vagos, parce que je suis sûr qu'il me cache un truc. Soit les vagos, soit Daniela. T'as le numéro de Daniela? Je dois l'avoir, ouais. Envoie-le-moi, s'il te plaît, Tu l'envoies? Vas-y, s'il te plaît, vas-y. Vas-y. Ouais, Daniela, ça va quoi? Ça va, merci à toi. Ouais, c'est Richie. Écoute, je t'appelle parce que je suis un peu inquiet, ça fait genre une demi-heure, trois quarts d'heure, j'ai pas de nouvelles de Hans. Ah bon? Et j'aimerais savoir genre si tu l'as vu ou bien s'il est avec toi. Ah non, du tout. Ok. Parce que moi, on m'a dit que genre la dernière fois qu'ils l'ont vu, c'était au Belize et qu'apparemment, il y a peut-être des vagos qui l'ont soulevé. Mais quand j'appelle les vagos, ils me disent non, ils l'ont pas vu. Ah bah, je peux pas t'aider, je suis désolé, je l'ai pas du tout vu. Ok, ça marche. Bon bah, vas-y. Désolé. Écoute, bah, merci. Bon courage à toi. Merci. Il coupe direct. Ouais, Hamid, t'es où? Là, apparemment, il y a une flica. Ah ouais, où ça? À côté du Apple Store. C'est où ça? Je t'envoie une pause. Tiens, ouais, vas-y, ça marche, merci. Une pause. J'ai appelé Daniela, elle m'a dit non, elle a pas de nouvelles de lui. En plus, tu veux savoir un truc? Ouais. Là, les flics, ils se sont fait tous voler leur véhicule devant la flica. Hein? Ouais, vas-y, je t'envoie une pause. Vas-y. C'est quoi ce truc de fou là? Excuse-moi. Hans, il est otage ou pas? Je sais pas. Parce que je le cherche, ça fait une demi-heure, il donne aucune nouvelle de lui. Partout ça nous dit que c'est pas un braquage, c'est une fuite de gaz apparemment. Donc c'est une fuite de gaz, ok. Et tu le crois ça? T'as quoi? On s'est volé 4 voitures de flics. Mais qui a fait ça? J'en sais rien, et justement. C'est des mongols les gens. Attends, je peux aller voir s'il y a Hans dans la banque? Ouais, justement c'est ça que je voulais aller voir. Vas-y. C'est non, nous on finit notre travail et on y va. Ouais, restez pas trop près. Est-ce que vous avez Hans qui travaille avec vous là? Hans Werner? Non. Je vois pas trop c'est qui. Attendez, mais vous braquez pas la banque? Bah, c'est un allemand. Non, on est là pour la fuite de gaz. Mais rentrez pas, vous avez pas de masque, rentrez pas. Mais vous allez mourir, okay, vous. Ok, ouais, ça marche pas, ok. Il y a deux banquiers qui surveillent pour voir si on vole rien, vous inquiétez pas. Alors attendez. Si vous voulez, je vous donne un masque, vous posez vos armes. Hein. Je peux retenir ma respiration au pire? Oh non, vraiment pas. C'est un gaz qui attaque la peau aussi. Non. Regarde-le. Wow. Arrête. T'as entendu le braque-le? On a deux otages. Ouais, elle m'a tapé avec un marteau, elle est malade elle! Deux otages. Mais c'est une baiser! Bon, attendez, mais vous êtes des braqueurs! Pas tout de suite, hein! Bah, c'est pas des. Attends, mais il se fout de. T'es rentré, il a dit braque-le. Bon, attends, vas-y. Moi, je cherche Hans, moi! On a deux otages maintenant. Est-ce que Hans, il est avec vous? Il y a une truc, vous voulez taper. Est-ce que Hans, il est avec vous? Ouais, il est avec nous. Putain, mais fallait le tirer depuis le début!
faites peur, dégage, là. Dégage. Amenez les otages devant la... devant le comptoir. Ouais, tu veux. Et pointez les armes sur leur tête, là. Tu veux. Je te tiens au courant, ouais. Si y a pas, ok. Ouais, ça marche, merci. La première fois que ça m'arrive. Non mais ils m'ont dit oui, il y a Hans. Ok, vas-y, ça marche. Je vais le libérer et je te tiens au courant, ok. Ouais, ça marche, merci, bonne oreille. Ouais, c'est bon, il est dedans, ça peut... Hans, il est dedans. Ah bah, tu vois. Ouais, attends, je vais juste louer deux pocket bags, j'arrive. Ouais, Abby, ça va ou quoi? Ouais. Putain, ouais, non, j'ai eu peur là. Hans, je le cherchais partout. Hamar, en fait, il est en otage, il est pris en otage. Quoi? Dans une flicard. Ouais, mais tranquille. Ouais, moi aussi, je l'étais tout à l'heure. Comme ça. Quoi? Bah, tout à l'heure, ouais, c'est les gars qui m'ont pris en otage. D'ailleurs, ils vont me louer une pocket bike là. Vas-y, passe à l'entreprise. Oh les bâtards, ils prennent en otage. Mais quoi? Viens, passe à l'entreprise, t'inquiète, j'ai une soirée de fou. Putain, les fils de pute, ils ont braqué Hans. Ils s'en fait passer pour des. C'est ça. Genre, il y a une fuite de gaz. Et genre, ils avaient des marteaux. Ils m'ont dit, ouais, rentre pas. Je dis, ouais, juste dites-moi si Hans il est là. Non, il est pas là. J'ai pris une grande respiration. Il y avait ni gaz ni rien, j'ai vu Hans. Ces fils de pute. Tranquille. Qui a pris un étage, Hans? Hein. Je sais pas, moi, c'est des mecs avec un masque à gaz, j'en sais rien. Ils avaient des camionnettes et tout. Si t'as besoin de nous, tu me dis. Ouais, t'inquiète. Bah, après, y a les flics qui sont devant là. Bah, viens les beaux gosses là. Carré, vas-y. Tu veux une pocket comme ça là? Ouais, c'est ça. Vous en voulez combien? Je la gueule. Bah, déjà 3, voilà. 3, ouais, ça marche. Illimité, 1 heure, ouais. Bonsoir. Salut. Wouah, tu m'as fait peur, le screamer. Et en vrai, si on fait une bijouterie, on vient louer ici, hein. Oh, j'ai rien entendu. Ah, t'es un mec gentil, Richie, toi. Qu'est-ce qu'il y a? Frère, moi, je suis un mec gentil de fou. Vas-y, carré, vas-y, merci. Vas-y, beau gosse. Histoire de fou ce soir. Hein. Du coup, je me fais prendre en otage par les brokers, mais ils mettent bien. Encore? Ils me donnent 4 500 $ au calme. Ouais, parce que j'en ai soulevé un ou deux. Histoire de fou là. Après, Hans, il disparaît. Il est en train de faire de la publicité avec la pocket bike. Au bout d'une demi-heure, plus de nouvelles et tout. Je sors de la banque, plus de nouvelles. Wallo, je prends le téléphone. C'est d'ailleurs les pocket bikes. Ouais, t'as vu? Je l'appelle et tout, il raccroche direct. Il répond pas radio, okay. Je comprends un truc. Je me suis rappelé qu'il y avait Daniela dans les parages et que hier Ryan Jackson il m'a dit t'inquiète pas, gros plan pour demain, genre pour aujourd'hui. J'appelle Ryan, je dis t'as vu Hans ou pas? Il me dit non, je dis non mais juste dis-moi s'il est avec toi, au moins j'arrête de le chercher. Il me dit non, je suis ok. Mm-hmm. Daniela pareil. Et finalement en fait j'ai retrouvé Hans dans une flica. Mais écoute hein. Wesh. Les mecs me disent quoi? Ils ont des marteaux, masques à gaz et tout, ils disent ouais n'entrez pas, il y a une fuite de gaz. J'ai ok mais juste dites-moi s'il y a Hans ou pas. Le mec il commence à bégayer, il me dit non, il est pas là. Je fais ok, je prends ma grande respiration, j'arrive, boum, je vois qui Hans. Et en fait c'était des vrais braqueurs. Ah ouais mais non ils l'ont pris en otage ce con. Bah je pense hein, je pense pas qu'il soit dedans, il est pas assez débile. Mais mais sinon aujourd'hui du coup je propose les pocket bikes, nouveaux cartes et puis un buggy. Mais ce qui est intéressant, c'est plus les pocket bikes. C'est combien les pocket bikes? C'est 4K. Et j'ai aussi investi dans un simulateur de gravité zéro. En mode, tu voles en apesanteur, quoi. Regarde son zoop. Le big avion, là. Ah ouais? Oh waouh! Eh ouais. Je vais faire une séance, là, avec Amid et Olena. Ils vont payer, là. Il y a les flics qui vont venir. Il y a les mecs de Caillou qui vont. Richie. Ouais? J'ai une question. Dis-moi. Ouais. En vrai, comment tu te procures tout ça? C'est pas possible. J'ai des contacts, en fait. J'investis, tu vois, l'argent que j'ai. Je le réinvestis, je le réinjecte. C'est comme ça que je fais. Tu l'injectes où? Bah dans mes projets, comment ça je l'achète tout? Là je l'ai investi dans le simulateur. Non mais t'as des contacts partout, wesh, comment ça Mais en fait, mais une fois, à partir du moment où t'as un certain statut en ville, tu vois, tu peux te permettre certaines choses, tu vois. Après toi, Abby, tu peux pas me comprendre. Ah ouais, tu mets déjà de la distance, d'accord. Toi t'es là avec tes bails, ouais, je te relook et tout, frérot, ça y est, c'est bon, wesh. Ça c'était marrant le premier jour et tout. En plus tu crasses sur... Ah ouais. Ah t'es devenu comme ça en fait. À la base, on était khawa, tu vois ce que je veux dire? Et on est toujours. Ah ouais. Puisqu'on a plus le même budget, c'est tout. Ah ouais, je vois bien. Toujours. Par contre, t'as toujours les mêmes. Ouais, mais t'es un quoi? Ah ouais, toi? Ouais, tranquille. Vas-y, je suis avec Abby à l'entreprise. Vous voulez passer pour le truc là? Gravité zéro? Ouais, mais ça va être après. Après quoi? Elle doit aller au nord pour chanter, je sais pas quoi. Elle doit aller au nord pour chanter? Ouais. Et viens, passe, fais ça avec Abby, toi au pire, t'en bats les couilles. T'as pas l'attendre, frérot, jusqu'à 1h du mat? Non, là, j'y vais, elle chante et on y va. Ah ok. Bah, tu manges quoi? Une sucette. Ah, c'est des bails chelous ça. Vas-y, ça marche, bah force hein. Vas-y, on se capte, à tout à l'heure. Voyage, tout à l'heure. Ah, mais il suce des sucettes maintenant. Chelou lui. Hein. Oh, grave bizarre ces bails. T'en as pas marre de vouloir me caser avec toute la ville? Non, c'est pas casé. C'est genre. Je sais pas, gros... tu me dis, ah, viens faire ça avec Abby. Non, en gros, mais regarde, il y a Abby, wesh. En gros. Je suis ta. Vas-y, j'ai rien à dire. Rigole pas, wesh. En gros, il était avec Olena. Mais le tourne en bourrique, je fais ça, je dis au pire, il y a Abby, viens, tu l'invites, comme ça, tu prends ton billet. Mais on n'est pas des morceaux de bande. Hé, j'ai retrouvé mieux que Hans. T'as retrouvé quoi? Abby, j'ai trouvé Abby. Mais bon, je l'ai retrouvée parce qu'elle était 24 heures, ça faisait 24 heures qu'elle avait disparu, c'est bon, je l'ai retrouvée là en face de moi. Elle est venue, elle m'a parlé que de toi. Ouais, Ben Drake, des nouvelles ou pas?
Pourquoi tu rigoles? Pourquoi tu mens? À chaque fois que tu m'appelles, c'est pour ça. Ben ouais, frère. Il ment. J'aimerais trop m'envoyer en l'air avec lui, genre. Quoi? Non, mais au truc de zéro gravité. Genre, truc en apesanteur. J'aimerais trop m'envoyer en apesanteur avec lui et tout. Arrête de mentir. Après, Roya, t'as les cartes entre les mains, tu fais ce que tu veux. Il ment. Vas-y, je te dis quoi? Vas-y. Là, je vais pas te mentir, je suis en plein rush là. T'inquiète. C'est trop grave. Ah oui, 42. Attends, je dois appeler qui aussi? Je dois appeler quelqu'un aussi. Ouais, là, t'es en train de faire le tour des gens qui veulent. Ah non, Dante! Il m'a demandé par rapport à toi, ça c'est vrai. Lui, je veux pas lui parler, lui. Ok, juste savoir pourquoi. Juste savoir pourquoi je vais l'appeler. Il m'a dit, ouais, si jamais t'as des nouvelles d'Abby. Ouais, tranquille toi. Ouais, j'ai des nouvelles d'Abby là, elle m'a envoyé un petit message. Ouais, donc. Bah, je sais pas, tu m'as dit t'as des nouvelles d'Abby, je sais pas quoi, donc je te dis oui. Ouais, mais ça a daté, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Ah, ok, tu veux que je pose un truc? Tu veux que je demande un truc? Tu veux quelque chose? Non, c'est bon, bah écoute, sa vie. Tu t'en bats les couilles, sa vie? Ah ouais. Je sais pas, mais tu prends tes nouvelles après, tu t'en bats les couilles. Non, mais ça c'est. Dante, dis-moi, attends. Elle a refusé une soirée Netflix and chill. Non, même pas. Elle fait la meuf, genre, sous menace. Je sais pas c'est qui elle. Elle t'a menacé? Genre, vas-y, t'as vu, j'avais soulevé Hans. Ouais. Et genre, vas-y et tout, j'ai ramené la coach à Hans et tout, genre là où il était et tout, j'avais fait le bon quand même, j'ai pas fait le bâtard. Ouais. Après, elle vient me faire la meuf en mode ouais, genre. Comme c'était une menace, t'as vu, c'est-à-dire elle fait la meuf avec moi. Bah, je te la ramène, tu te règles avec elle au pire. Pardon. Dis-moi où elle est, au pire, et on fait ça, ouais, on s'en bat. Là, je sais pas, elle se balade en ville, mais je te la ramène si tu veux. C'est quoi, ça coûte combien encore là, cette connerie? Ça coûte 1000$, frère, tu veux te régler avec elle. Combien? Attends, wesh, t'as pas payé 1000 balles pour me taper, wesh. C'est tout? Ah ouais, c'est tout. Vas-y, carrément. C'est bon, 1000$, je te les passe, tu gagnes 1000$ et tu te règles avec lui. Comment ça, je me règle? J'ai pas envie de le parler. Mais apparemment, non, il me dit quoi, ouais. Genre, en fait, quand il a soulevé Hans et qu'il a ramené. Attends, y'a un mec qui vous recasse. Ouais, Denzel, ça va ou quoi? Ouais, tranquille. Oh, fils de chien, c'est toi qui m'as soulevé tout à l'heure, en fait. Bah oui. Téléphonique, ça va ou quoi? Je me suis rendu compte après, allô, tranquille. Vas-y, viens, je suis à l'entreprise avec Abby en plus, vas-y, viens. Arrête de tirer avec Abby, là. Vas-y, viens direct au garage, vas-y, Bogos. Elle t'attend. Mais quelle attente? Oh putain. Il vient de me faire des locations, t'as trop le seum. Mais je vais péter un câble, tu crois que j'attends les gens comment? Ouais, bouge, tu vas rien péter du tout. Bon, ça dit quoi alors? Ça dit quoi? Attends, il t'a dit quoi, Dante? J'ai pas compris. T'as raconté quoi? Parce que ça se trouve, il m'a dit en gros, il a soulevé Hans et quand il l'a ramené dans sa voiture, tu lui as dit ouais, fais attention à toi. Genre en mode, tu l'as menacé. Mais non, c'est lui, il m'a dit ouais, fais très attention à ce que tu dis. Je sais pas quoi, j'étais là, tu vas faire quoi? Il est fou. Voilà. Il m'a menacé alors qu'il soulève Hans. Voilà. Ah, c'est oui, des baisers, les gens. Bah, de fou. Ça va quoi? Ouais. Bon, gosse. Tiens, elle t'attend en plus. Elle est juste là. Pioui, piou. T'as 4 cas sur toi, j'imagine. Sur moi, non. Bon, je te fais une facture. N'hésite pas à en parler autour de toi, beau gosse. Vas-y, frère, vous avez jamais de thunes sur votre compte, putain. Putain, à chaque fois, paiement refusé, wesh. Allez, amuse-toi bien. Dors par où? Là, tout droit, tu prends l'ascenseur des véhicules. Allez, je m'entraîne. Ouais, j'ai Benmarie qui m'appelle. Ouais, j'ai Benmarie, ça va quoi? Ouais, Richie, j'ai récupéré Hans, je le ramène parking central. Hans, vas-y, on va chercher, vas-y, beau gosse, merci. Vas-y, ça marche. Vas-y, beau gosse. Wesh, tu fais quoi? T'as pété un câble ou quoi? Je suis en train de m'entraîner, mais qu'est-ce qu'elle fait? C'est une BD. Eh, quand ma mère elle va venir, elle dès que tu fais des trucs comme ça. Bah, je m'entraîne. D'ailleurs, il me doit 10 000 dollars. Oh, vas-y, monte, beau gosse. Ouais, Chantinou. D'accord. Ah, pardon. Attends, Chantinou. Oui. Et tu... Wesh. Quoi? Oh non. Quoi? Quoi? Fils, viens là, enfoiré, viens là. Voilà, t'es mort. Viens. Je coupe à gauche. Vas-y, je le suis. Wouah! La voiture. Allez, voilà, qu'est-ce qu'il y a toi? Tu veux quoi? Richie, oh non putain. Richie, tu m'entends? Richie. Ouais. Ça va mon ref? Putain. Ça va aller hein. Voilà, détends, chut, souffle. Allez, tranquille. Ça va. Ça va? Bon. Okay. C'est bon, il s'est passé quoi? On l'a attrapé? Ah, c'est bon, on l'a attrapé. C'est bon. Ça va? J'étais otage avec lui. Ah! Bah ouais! Et pourquoi il t'a mis un coup de tête? Parce qu'en fait, il voulait livrer un otage et je lui ai dit de me livrer moi parce que lui c'est un paysan, c'est d'abord moi. Eh, c'est qui t'a pris en otage? Je ne sais pas, ils étaient masqués. Les fils de. J'étais en train de faire de la pub sur le côté. Mais tu m'as pas vu quand je suis rentré, ils m'ont mis un coup de marteau? Si! Mais pourquoi? Mais parce qu'en fait, ils ont dit il y a une fuite de gaz. Moi je suis un super héros, je dis attends, je retiens ma respiration, j'arrive. Je suis allé en apnée. Et je t'ai pas vu. Vous m'avez mis... si, j'étais à l'intérieur. Vous savez, ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit de me faire passer pour... Et par contre, lui là-bas, là. Ah frère, oui, c'est oui, bon. Oui, ouais, c'est bon. Enfin, ça...
Du coup, ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit que je devais me passer pour le patron et de dire que je suis le patron qui se prénomme Brut Fracht. Ça va, beau gosse? C'est mon devoir, je suis son garde du corps, c'est pour ça. T'es obligé d'intervenir, sinon je t'ai pas payé. Il s'est passé quoi? Oh, frère, tu te fais percuter par une voiture en vrai. Ah ouais. Ça va, c'est quoi ton nom? Dis-moi, c'est John. John comment? Lito. Ah, beau gosse. Je sais même pas qu'est-ce qui s'est passé tout court. T'inquiète, juste un véhicule. Bah, tu courais, frère, on te courait après et t'es fait percuter par un véhicule. Ouais, je me rappelle de ça, je courais d'un coup. Parce que t'as mis un coup de tête à un, je suis obligé de réagir. Son garde du corps. Tu peux pas me rafraîchir la mémoire? Ah, frère, ça, pourquoi je mets un coup de tête? C'est déjà pas mal. Bah, je sais pas, frère, je sais rien, moi, c'est votre affaire ça. Vas-y, beau gosse, si jamais t'as mal à la tête, tu passes à l'hôpital, ok? Ouais, c'est vas-y, tranquille. Vas-y, beau gosse, force. Fais gaffe quand tu traverses. Vas-y, tranquille. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais il veut que. Il veut que quoi? Je sais pas, il veut que...